Salut tout le monde, c'est Polo et bienvenue sur Mario Party Superstars. Alors c'est le moment de jouer à ce jeu magnifique en ligne contre les gens du monde entier. Ça va être super génial et c'est la première fois que je vois cet écran de chargement. C'est magnifique, on est tous à la plage. Mais là c'est pas possible, on est en novembre. Si je vais à la plage, ben je vais crever de froid lorsque je vais prendre mon bain. Donc, y a des trucs nouveaux? Le truc c'est que la dernière fois qu'on s'est laissé, j'ai acheté des trucs hors vidéo. Alors, tu devrais pas avoir... C'est ça, t'as rien de nouveau, j'ai acheté tous les autocollants qu'il y avait. Ah, ok, c'est parce que j'ai pas exploré tout ce qu'il y avait à acheter. Comme on peut acheter des pages, on peut acheter de la musique, des ci, des ça, regardez ça. Mais ouais, mais comme j'ai pas besoin de ces affaires-là. Non, j'ai déjà acheté tout ce que je voulais. Alors, on s'en va d'ici. On va aller jouer en ligne contre les gens du monde entier sur un plateau. Alors, on y va. Ici, tôt. Amigo! La dernière fois, j'ai utilisé Mario. La première fois que j'ai joué à ce jeu, j'ai utilisé Yoshi. Ceci est ma troisième vidéo. Je sais pas qui je vais utiliser. Mario Yoshi? Luigi? Oh, je sais pas, on verra. Attendez une seconde. Donc, Waluigi! Il est super drôle, ce mec-là. Ouais, on va troll le monde avec Waluigi. Et attendez, Station Spatiale. J'ai jamais joué à Station Spatiale, mon frère. Voyons donc. Donc, la dernière fois, on a joué à Île Tropicale de Yoshi. Peut-être que le jeu est en train de me dire de jouer à Station Spatiale. Ok, ouais, c'est ça. Ok, on va jouer à Station Spatiale. Peut-être qu'il y a quelqu'un dans ma famille qui a joué à ce jeu pendant... Niveau 77! Il y a quelqu'un... Je suis niveau 13! Il y a un bonhomme niveau 77! Un autre 22, un autre 34! What? Je suis encore en dernière position, vous n'êtes pas sérieux. Oh, yo, c'est qui le bonhomme niveau 77, j'ai envie de savoir. Et là, je viens de remarquer quelque chose. On choisit notre personnage avant même de se connecter avec les autres personnes du monde entier, n'est-ce pas? Et attendez une seconde. Désolé, je viens de manger puis j'avais quelque chose de cassé sur la gorge. Sur la gorge? Dans la gorge. Je commence à dire n'importe quoi et puis la journée ne vient que commencer. Ouais, c'est ça. Donc, le truc, c'est que... qu'est-ce que je voulais dire? Oui! On choisit nos personnages avant de se connecter avec les autres. Alors, puisque moi j'ai choisi Waluigi, le jeu fait tout pour pas me matcher avec les gens qui ont pris Waluigi. Est-ce que c'est ça? Comme... Et eux, comme le Wario qui est là, il ne se fait pas matcher contre les autres gens qui ont pris Wario. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que j'exclus tous ceux qui ont pris Waluigi et je peux pas jouer avec eux. Ok, alright, c'est bon. Donc, 15 objets. Mais qu'est-ce qui se passe? On doit te donner un objet, non? Sauter sur un tonneau? Tu joues à un mini-jeu? Oh, ok, alright! Yo, la clé, il me semble que ça, c'est super bon! Tu voulais un champignon vénéneux ou tu voulais autre chose? Je sais pas si c'était volontaire de sa part de sauter sur le premier tonneau, là, mais bon. Moi, j'aurais pris la clé, il me semble que c'est super génial. Anyway, si je dis n'importe quoi aujourd'hui, c'est tout à fait normal. Ben c'est pas normal, mais j'espère que ça vous dérange pas. Number 7, alright. Yes! Ça fait tellement bizarre de voir ce tableau en Mega Ultra HD, si je peux dire ça comme ça, comparé à la version Nintendo 64. Number 1! Me semble qu'il y a un truc qui va venir, non? Comme zzz, pour te chasser. Oui, c'est ça! Ils sont tous ensemble! En plus, c'est moins une case, si vous voyez ce que je veux dire. Ok, on y va. Whoop-a-day! Number 10! Wow! J'ai eu un tout à l'heure et maintenant number 10. Regardez, ils sont tous ensemble. Moi, je suis l'exclu, mais bon, ce n'est pas si grave que ça. Allez, on y va. Mini-jeu. Mini-jeu à 4. Ok, free for all. No problemo, amigo. Golf de fou! J'ai déjà un jeu de Mario Golf, j'ai pas besoin de rejouer au golf. Bon, pas de gars. Déterminons l'ordre de jeu. Attendez, frappez la balle vers le drapeau. Envoyez-la au plus près du trou pour remporter la victoire. Ok, donc... comment je fais ça? Oh, comme ça! Je suis en train de me pratiquer, là! J'avais presque réussi mon coup. Ok, ouais, c'est bon, c'est bon. Donc, qui va réussir son coup? Déterminons l'ordre de jeu. Eux, là, ils veulent bouger rapidement. Vous avez ça, comme il y a un zéro débutant ici. Je suis numéro 2. C'est parti. Mario, montre-moi comment tu fais. Oui, montre-moi comment tu fais les trucs comme ça. Je peux apprendre de tes erreurs. Je vais pas faire la même erreur.
Ok, regardez ça. Celui qui va en dernier, là, il a plus de chance, non? Donc, je crois que... Attendez. Comme ça, c'est correct. Badoun! Badoun! J'avais presque foutu la palle direct dans le trou! Oh non! Non, regardez, vous avez vu, il apprend de mes erreurs, là. Oh, mais à moins que c'est un boss. Ok, non, ce gars-là est un boss. Fais la même chose, Daisy. Brother? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi t'as pas fait la même chose que Wario? Terminé. Ok. Je sais, je dois faire attention à qui? Mr. Wario. Ce mec-là, là, c'est peut-être le bonhomme niveau 77. Ok, on va faire attention. Est-ce que je peux vendre un niveau? Oh! Attends, je vais dire... Wow! Eh, hey, j'ai dit wow! Ok, parfait. C'est bon. Donc, tour numéro 2. Je vois quel genre d'autocollant j'ai. Tu feras pas ça? Vas-y, arrête. Comment grâce à moi? Oh oh! Wahaha! Ok. 2. Ok. Ce serait cool si je pouvais regarder la map maintenant. La patrouille m'a... Crash? Quoi? Poursuit? What? Qu'est-ce... Compris? Personne ne m'échappera. La police? Qu'est-ce qui se passe? Ok, non, pourquoi la police est là? Ça fait peur, là, bro. Le mec a payé 5 pièces d'or. Pour quelque raison. Et je ne sais pas pourquoi ça fait peur. On dirait que la patrouille Mask Crash est en intervention. Ok, Daisy s'est pas fait attaquer. Elle est passée devant la voiture de police super rapide au presto et puis elle s'est pas fait arrêter. Quand on fait ça dans la vraie vie, on reçoit un ticket, man. Bien! Ah, je veux dire, c'est parti! Je sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est parti! Number 10! Ok. On dirait que la patrouille Mask Crash est en intervention. Je sais même pas qu'est-ce qu'il fait en intervention. Ah, ok, il m'a poussé. Et là, il y a une banque à côté. Est-ce que je dois payer? Il me semble que si on passe à travers comme le bloc juste à côté là, on doit payer 5 sous ou quelque chose comme ça. 5 pièces d'or. Et là, la personne qui atteint le truc là. Attends, tu es à la banque ou pas? Je regrette, mais je dois te demander 3 pièces. Oui, c'est ça. La personne qui va sur ce truc là. Merci beaucoup. En passant, le compteur indique le montant total en banque. Quiconque s'arrête sur cette case empoche toutes les pièces de la banque. Ouais, c'est ça que je voulais dire. Et il s'est mis à exprimer que moi. Voilà. Donc, si je vais là. Écoutez, je crois que je vais aller là. On me dit d'aller là-bas, alors je vais aller là-bas. J'arrive vraiment pas à m'exprimer aujourd'hui. Je suis vraiment désolé. Mini-jeu à 4. Picker en furie. Oh, 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 les amis. Ce jeu est pour moi, il me semble. Non, c'est pas mon jeu. Ah, je croyais que c'était autre chose. Je croyais que c'était un jeu où on devait spammer le bouton A. Et dans ce genre de jeu, je ne pense jamais beaucoup d'habitude. Attendez, on va se pratiquer un peu. Ah, ok, je commence à l'avoir. Ok, une chose que je me suis pratiqué, c'est Wario et Daisy qui ne sont pas prêts. Ces deux bonhommes sont en train de s'entraîner. Regardez ça, ils sont en train de jouer, mais ils veulent pas être prêts. Écoutez, je crois que ces bonhommes veulent s'entraîner pour pouvoir, vous savez, ne pas foirer leur coup. Ah, yeah. C'est le compteur qui a fait ready pour eux. Parce que dans chaque mini-jeu, on a 30 secondes pour être ready. Et les 30 secondes se sont écoulées tout à l'heure. Okay. C'est mon boulouf qui va sortir, bro! Je devrais peut-être travailler chez un dentiste. Vous avez vu comment j'ai fait ça comme un pro? Oh! Oh, je l'ai eu! Comment, les amis? Non! 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 Oh, j'ai mal foi! Oh! Attends! Mais le mien est le plus beau! Impossible que je perds avec ça! Les poteaux! Yes! Yes! Allez! Va manger mes adversaires! Va manger! Il aurait dû aller au buffet chinois. Pourquoi il est pas allé là-bas? C'est de la bouffe gratos en plus, j'ai payé pour lui. Mais bon, je suis en première position là. Deuxième, alright, ok. Je vais dire, salut, je suis en deuxième position. Wario time! Wario time, mon frère.
T'es capable, je te fais confiance. Il est en train de regarder la map? Mmh. Pourquoi tu utilises ça? T'as aucune raison d'utiliser ça, mon frère. Tu vas passer à la banque. Et en plus, il va tomber sur la banque direct. Ok, j'ai peur pendant l'instant. Mais ouais, t'avais pas de raison à utiliser ça. Tu peux pas acheter des toits. T'avais 18 pièces, mon frère. Même s'il avait fait 10, il aurait jamais atteint l'endroit qu'il voulait, alors... Mais bon, en tout cas... Paye plus! Paye plus! 3 pièces! Pourquoi tu prends toujours 3 pièces, mon frère? Demande-en en plus, mon frère! Merci pour ta compréhension. Tu l'as obligé à acheter ça. Elle n'a pas du tout compris. Elle n'était pas du tout compréhensive, vous voyez? Tu l'as obligé à faire ça. C'est totalement différent. Elle veut pas aller sur la case rouge, ça se voit. Elle est comme... Est-ce que je vais sur la case rouge ou je vais chercher le champignon vénéneux pour avoir un item secret? Elle a fait son choix. Ouais, c'est un bon choix. Parce que je serai la personne qui va aller chercher l'étoile, oui! Tu vas jouer à la roulette? Prends pas la clé. Eh non, 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 la clé là, je ne veux pas que tu la pognes. Damn, t'es en train de te concentrer au max, oui? Double D? T'auras un triple D alors? Quand j'ai dit double D, c'est parce qu'il y avait 2D sur l'écran, mais pour vrai, c'est 3D parce que la personne va faire... Non, c'est 2D en version totale. Oh, c'est pas triple D! Ok, je me suis complètement trompé, je suis vraiment désolé. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre sur Mario Party, même si j'ai joué à ces jeux depuis mon enfance, hein. Depuis que j'ai un petit kikou de 7-8 ans. Non, j'ai même commencé ça à 6 ans, je pense, sur Nintendo 64 avec mon ami. Je me rappelle, mon ami avait Nintendo 64 avec Mario Party. Et c'était la première fois que j'ai joué à ça de ma vie. Et je me rappelle, on dit Mario Party. Mais là, on savait pas parler anglais, on disait Mario Party. Mario Party, on va jouer Mario Party. En tout cas, whatever. Number 4. Si on va au milieu, qu'est-ce qui se passe? Ouais, I guess. Ok. Y'a de quoi qui va se passer, c'est ça? Quelle chance! Allez, give me something good, bro! What? Gagne de passe-partout! C'est la clé! Ouvre un portail ne peut être utilisé qu'un côté de portail. Quel portail? Je me rappelle dans le temps quand j'étais un petit cul. Mais désolé, un petit kikou, c'est ce que je voulais dire. Je jouais toujours sur cette planche, vous voyez, comme le vaisseau spatial et tout là, quand... mais là, le truc c'est que, il y a quelque chose qui cloche, je ne me rappelle plus comment ça fonctionne, et dans le temps je jouais toujours à ça, je me rappelle, mais bon, j'étais petit là, alors je faisais n'importe quoi dans le temps, mais bon, allez, on y va, je me rappelle que la dernière fois, dans ce mini-jeu, je prenais juste les pièces, il faut prendre les pièces, mais il y a des sacs de pièces à prendre aussi. Ok. What? Ok. Je suis concentré au max. Faut prendre les deux blocs ici. Je les ai pas pris. Ok, ok. Oh, je vais vous dire quelque chose depuis tout à l'heure. Je regardais Wario. Oh. J'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça. Ok. J'ai 11 pièces. Oh my god! Au moins j'ai 11 pièces! Oh! Je vous jure, j'ai une mémoire à court terme qui est vraiment du caca de cheval. Le truc, c'est que je me rappelle pas des trucs. Quand il y a trop de trucs sur l'écran là, oh, c'est fini pour moi, mes yeux de chinois vénéneux ne peuvent pas keep up, c'est impossible. Alors, c'est pour ça que j'ai juste 11 pièces. Mais c'est mieux que les 7 pièces de Daisy? C'était Daisy qui avait 7 pièces? Je vous avais dit que j'ai une mauvaise mémoire à court terme, hein? Ah, c'était pas une blague. 6. Allez, crache le cash. Tiens, la banque coupe pas, je regrette, mais je dois te demander 3 pièces. Ok, j'avoue, ça s'accumule assez rapidement. Maintenant, il y en a 12 là-dedans. Va à droite, frère. Yeah. Percer un ballon. C'est fort qu'on puisse jouer à plusieurs mini-jeux différents. Est-ce que c'était volontaire de ta part, mon frère? Je crois qu'il voulait les double D. Pas ça. Non, non, non.
Ce dé ne peut donner qu'un chiffre entre 1 et 3. Daisy! Daisy! Ok. Voilà, ça a pris du temps. Avec ce jeu, je m'attends à ce que le tout se fasse rapido presto. Oh, on a perdu 3 pièces, mais écoutez, une princesse, t'es riche, c'est pas grave, mon ami. T'es pas un 10. Yes! Va pas sur la case VS. Oh non, il va aller sur la case VS, c'est ça. Qui irait dans la case Bowser? T'as pas besoin de... Comme... C'est ça! Qui irait sur la case Bowser de façon volontaire, voyons donc? Affrontez-vous dans un mini-jeu avec pas en jeu vos propres pièces. Tout le monde en a beaucoup, c'est nice! Vous gagnerez des pièces, tatati. Pour commencer, Mario reçoit 3 pièces pour avoir atteint cette case. À présent, voyez combien de pièces vous allez miser. Allez, all in, les amis! On va jouer au poker! On est en train de perdre notre temps en misant cette pièce chacun. On a tous assez de pièces. Même si le Toad vole les 7 pièces de tout le monde et qu'il le redonne à personne, tout le monde a plus que 20 pièces pour acheter une étoile. Alors, c'est littéralement une perte de temps, mais bon, c'est pas si grave que ça. Mémoriser la position des objets. Non, j'ai une mauvaise mémoire, bro! Oh, bon, mon doux Jésus! Mon doux Jésus! Ok. C'est parti! Ok. Oh mon Dieu! Comment je joue à ça? Attends. Wario en premier, DK, ensuite c'est marteau, non, je veux dire couronne ça va là, oui, et là je triche, je regarde en bas à gauche là, j'ai vu que le bonhomme a mis ça, ensuite c'est Luigi juste là, non, Luigi va là, si je me rappelle bien, et ensuite, je sais qu'il y a une casquette en bas, attendez, ici. Voilà! Comme ça! Ok, et là, comment je ferme le rideau, bro? Oh! Oh, les poteaux! Je l'ai eu, mais j'ai pas fermé le rideau, à moins que ça se ferme automatiquement. Mais c'est Mario qui a gagné. What? Hein? Je vais vous dire quelque chose, j'ai triché, j'ai regardé en bas à gauche, pour vrai. Mario m'a sauvé la vie avec un objet. Mais bon, tout le monde a eu de l'argent sur Mario! Oh! Ok, ce mini-jeu m'a donné 2 pièces. Merci. Mais c'est... Pauvre Wario! Ok, il a donné son cash à tout le monde, c'est fou! Ok, objet, laissez-moi voir quelque chose. Ouvre un portail, ne peut être utilisé qu'à côté d'un portail. Mais c'est quoi le portail? I don't know, je vais peut-être y arriver à un moment donné. Allez, 10! Ok, je vais pas dire non. Roulette, laisse-moi jouer à la roulette. What the hell is that? Attends, concentration. C'est parti. De quoi c'est parti? Ok. Oh! Tu ne mourras pas. Je sais, double D, c'est ici. Attends, attaquer. Yeah! Une chance, j'ai pas pogné le Bowser Junior, hein. Yo, je suis le seul qui avait un mini-jeu où ce que je pouvais perdre avec Bowser Jr. Vous êtes sérieux, les amis? Les autres, ils ont joué à tir à l'arc, à la roulette, à ci, à ça. Ils étaient obligés. Mais ils étaient, disons, 100% sûrs d'avoir quelque chose de correct. Et moi, j'avais un Bowser Jr. qui était dans un tonneau. Really? Donjon pas bon. J'espère que je suis avec le bonhomme niveau 77. Oh, ça me dit de quoi ça? Aidez votre coéquipier à franchir les obstacles dont ce donjon est plein. Ah, ok, alright. Est-ce que je peux faire confiance à Daisy? Elle a une robe. Yo, mais c'est de la triche, elle a une robe. Comment elle fait pour courir? Oh, il faut appuyer rapidement. Dans ce genre de truc là, je suis le boss. Daisy! Daisy! Je vous avais dit à cause de sa robe. Ok, non. Je vais récupérer ça. Attendez, je vais l'avoir. Mario! Oh non, je n'étais pas assez rapide.
Daisy! Oh, pourquoi c'est... Pourquoi c'est Daisy qui a un autre truc? Vas-y, Daisy! Attends, Y! Laisse-moi! Oh! Non, il faut sauter! Il faut sauter, bro! Oh, je savais pas qu'il fallait sauter! Let's go! Yes! Allez, let's go! Oh non, 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 j'ai... Oh non, c'est vrai, il faut pas spammer le tout. Ma balle. Ma balle, ma balle, ma balle, ma balle. Ça, c'est ma faute. Let's go, Daisy. Laisse-moi. Laisse Pépito le faire. Good job, Daisy. Daisy! Come on. Ah, on est encore en avance. Ok. Tranquille, tranquille. Oui, that's it. Alright. Allez, je vais t'aider. Alright. Ah! Non! Comment j'ai fait? Une chance qu'on joue pas en mode compétitif. Une chance que notre vie n'est pas en jeu si on fait notre coup. Oh, vous n'êtes pas sérieux, bro. Hey, tu. Oh, ok, ok, ok. Oh, oh, oh. Brother, brother. Non, 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 frère. Allez, suis-moi. Vas-y, Daisy. Yeah. Allez. C'est quoi? LR. Oh, je peux pas spammer les boutons. Il faut que je fasse bien le truc. Allez. Waluigi a de l'expérience, mais Daisy a pas beaucoup d'expérience sur ça, là. Yes. 2 minutes, c'est le record du monde pour ce mini-jeu. Mais comme... Pour mon record local, on va dire, on n'a même pas dépassé ça, c'est crazy. Oh mon dieu, Waluigi. Hey. Parce que c'est un petit rendez-vous amoureux avec Daisy. Oh mon god, Pierre. Si elle accepte pas son rendez-vous avec moi, eh ben, je vais la jeter dans le vide. Non, je vais jamais faire ça, non. Elle va utiliser tout son argent pour me détruire, en fait. Parce que si je le fais, écoutez, c'est une royauté. Vous croyez que les soldats comme du château vont rien faire pour se venger? Non, ouais! Pourquoi sur Daisy? C'est totalement random ton affaire, frère. C'est moi qui suis à côté de l'étoile. Oh, 6. This is not good, bro. Il est en train de réfléchir, c'est ça? Ce serait cool si je pouvais ouvrir la map en ce moment, juste pour voir qu'est-ce qui se passe. Juste pour savoir où je devrais aller, comme ça on perd pas de temps. Mais bon, je crois que les développeurs de Nintendo veulent qu'on observe ce qui se passe sur la map en ce moment même, n'est-ce pas? Je veux dire pas là. Oui! Oh! Quoi? Oh, vous avez vu son quoi? Attends, si tu fais des doubles, est-ce que ça cancel ceci? Faudrait faire un test un jour. Bienvenue à la boutique des objets, veux-tu acheter quelque chose? Des triples? Des sur mesure? Yo, prends des sur mesure, ça va t'aider moi. T'as rien acheté? T'as 41 gold money, bro? 41 Mario Party Money? 41 Gold Coin? What? T'as rien acheté? Really? Pourquoi tu veux garder ton cash pour qu'on te le vole en mode VS ou quelque chose? Oh, t'es très généreux, je savais pas que tu faisais ça, mon ami, man. Elle joue pour nous, on dirait bien. Là, il y a une cache-chance. Qu'est-ce que tu vas avoir, mon frère? J'étais là tout à l'heure. Il suit mes pas. Sac à objets chanceux! Des triples coffres? C'était quoi ce coffre? Lancer 3D et avancer au total, ok? Voler un objet à un adversaire de votre choix! Peut-être que Daisy a fait la bonne chose alors! Ouais, c'est pas possible! Ok. Donc, il faut que j'ai un 5, je pense, pour aller vers l'étoile. Ouais, un 5. Je prends pas de chance, je prends le double D, bro. Des doubles. Pas double D, des doubles. J'avais même pas besoin de des doubles. Allez, fais 7, comme ça j'ai du cash. Je sais même pas si je peux avoir du cash si je fais un autre set, mais bon.
Il me semble que c'est comme ça en tout cas. Ça là, ça a définitivement l'étoffe d'une superstar. Ouais, Luigi superstar. Give it that, bro! Yeah! Merci, merci! Oh, mais on m'a dit bravo! On m'a dit bravo! Et la prochaine étoile sera... Daisy! Daisy à côté d'ici! Ici, l'étoile vous attend à cet endroit. Ok, alright. Je crois que la bonne chose à faire, c'est aller au milieu, right? Ok, on va aller au milieu. Mais en plus, dans tous les cas, que j'aille à gauche, à droite, en haut, en bas, en diagonale, je tombe toujours sur une case objet, alors... Sky, c'est quoi ça? Dosez bien votre coup! Il y a tellement de mini-jeux, c'est nice! Attends, je veux pas aborder Junior. Je veux l'aider sur mesure, alors... Je crois... Je vais... Ah! C'est exactement ce que je voulais! Ouais, c'est exactement ce que je voulais. Je vais vous dire quelque chose, j'ai presque fait tomber ma manette parce que je tenais ça comme ça, je faisais ça. Ouais. Oh, pourquoi j'étais pas rouge? Non! J'aurais bien voulu faire un contre 3. Pas un, deux, trois, Goomba. Un contre 3. Mais bon. Ah, je sais qu'est-ce qu'il faut faire pour compter le nombre de Goomba qui se retrouve ici. Ouais, attends. On va compter ensemble. Allez, faisons des mathématiques avec le petit chinois vénéneux qui est ici. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, quinze, seize, batterie faible, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Est-ce que j'en rajoute un? Terminé. 37, 40, 38? La dernière fois que j'ai joué à ça, tout le monde avait le même nombre alors. Je savais qu'il fallait que j'en ajoute un! Je le savais! C'est pour ça que je vous ai demandé ceci, parce qu'il me semblait aussi qu'il y en avait un de plus! Oh! Oh non! Oh my god! Mais bon, c'est pas si grave que ça! Allez! C'est pour ça que je vais pas aller comme non plus! Number 2! Alright! Plus 3! T'as pas un peu trop de cash, tu devrais partager avec ton frère, man! Un! Oh! Pas un zéro! Ok, pas trop mal, je possède mes crayons pour 5 pièces. C'est quoi ça, mes crayons? Mes crayons! Je sais c'est quoi mes crayons, mais pas mes crayons. Oh, vraiment, de toute façon, j'ai de la paperasse. Oh, elle a refusé! On dirait que ce Daisy fait un challenge où elle ne doit pas dépenser un seul sou et gagner. Oubliez ce que j'ai dit, alright. Très bien, cette étoile est à toi, bro! Alright, sois pas devant les autres, sois devant moi, s'il te plaît. Mais en fait, je peux me diriger partout, alors je devrais pas avoir de problème à l'avoir, hein? Ah, ouais. Je peux pas aller en sens inverse. Parce que même si je vais au milieu, je peux pas aller là. Il faut que j'aille... littéralement vers le sud, et ensuite j'ai fait un tour. Mais Wario est là avant moi. On va voir ce qu'on peut faire. Oh, bienvenue dans la banque Koopa, vous partagez le cash, bro? Alright. Mario time. Mario time. Allez, vole un objet, mais pas à moi. Vole à Daisy. Ah, il est comme, est-ce que j'utilise un objet ou pas? Ok. Ah, t'avais raison. Une chance que t'as utilisé ton dé. Wow!
Pouvez-vous le croire, un dé, on peut dépasser le nombre qu'il a eu. Ah, je devrais te dire le chiffre, parce que si je me rappelle bien, dans mon cours de français, on disait « Un chiffre, c'est quelque chose de 0 à 9, et dès que tu dépasses 10, ça devient un nombre. Yeah. » Voyez? Ok, oubliez le français. On n'est pas là pour aller à l'école. Donc, on y va. Number 10, bro! Lucky 7, c'est exactement ce que je voulais. Allez, on va en bas. À moins que... Ouais, je vais aller en bas. J'ai pas envie d'aller dans des cases bleues ou rouges pour aucune raison. Comme à gauche, en haut, à droite. Ça sert à rien. Ici, c'est bien meilleur, voyons donc. À quel mini-jeu vais-je jouer? Telle est la question. Oh, oh, oh! Dé sur mesure. Allez, on y va. C'est parti. Ok. Quelque chose. Au moins, c'est quelque chose de bon. Oui, je vous l'avoue, c'est very, very good. Yeah! Ninja 4, bro! Rafale Bill Ball. On doit jouer avec Bullet Bill, c'est ça? Bill Ball, c'est Bullet Bill, me semble. Oh! Oh! Vous parlez à quelqu'un qui a des réflexes de tortue, voyons donc! Je peux pas gagner dans ce genre de mini-jeu! Oh! Tout le monde va attaquer Daisy! What? Oh non 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 non. Attendez. Ah! Ok Mario, il veut ma peau maintenant. T'inquiète sur mon attaque, bro. Oh, tu peux pas m'avoir si je me protège, moi. Mario. Ouh! Je vais pas te laisser m'avoir, bro. Éliminez Mario. Mario. Yes. Ok, Wario, c'est... Non, non. Daisy, Daisy. Yes. Parce que Daisy avait deux vies. Oh, Wario, t'es dead! Oh my god! T'es dead, Wario! Non! Oh, oh, je me suis bien protégé! Ah, ben attendez! Si je fais ça comme ça. Yes! Oh non, 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 yo, t'es dead, Daisy, man! Non, non, non! Oh, t'es dead! Non! Je crois que... Non! Si seulement j'avais survécu! Je me demande! Si j'avais réussi à garder mes deux points, est-ce que je serais le seul à gagner, selon vous? Ou puisque nous deux, on a survécu, tous les deux, on gagne. Je sais pas, mais bon. Vous avez vu, ils ont sorti une face de Waluigi, c'était drôle. Alright, donc, je sais pas qu'est-ce que je devrais faire. Est-ce que j'utilise un champignon vénéneux ou le double D? Parce que je suis quand même proche de l'étoile. Numéro 3, ok. Qu'est-ce qui se passe? Lui, je sais pas pourquoi il aime ça tourner en rond. Énergie chargée à 300%, super rayon de la ruine prêt. Feu! Rayon de la ruine? Ah, une chance que Toadette s'est enfui. Aucun signe de vie. Rien n'est utilisé le rayon. Grrr. Est-ce que Bowser peut se déplacer? On dirait que non. Je crois pas qu'il puisse se déplacer, ben... Ok. Ça, c'était quelque chose d'intéressant. Il a complètement paré son Kamehameha, le dude, man. Pourquoi tu utilises ça? Il n'y a pas d'étoile devant toi. Est-ce que tu utilises ça parce que tu veux pas que Mario vole ton objet? Et comme ça, il est obligé de voler le mien? Peut-être que c'est pour ça. Ouais, c'est fort possible que ce soit pour ça qu'elle ait fait ça. Ah, elle check la map. Si elle va à droite, elle peut acheter un item, je pense, hein? Ou elle va... Je vois un bout, là! Regardez en bas de l'écran, il y a un bout! C'est pas une casse-bout, ça, hein? What? Oh, non! Utilise pas ton coffre! 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 Non! Yes! 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 Alright! 13! Va à droite, frère. Ça sert à rien de suivre le bon chemin. Je vais aller chercher le truc, mon ami, man. Il voulait pas m'écouter. Ce serait drôle si on pouvait activer le voice chat. Comme si on décide de l'activer, on peut entendre les autres. Ok.
Champignon vénéneux me donne un 5 garanti. Alors il faut que je fasse un 7. Mais si j'utilise un double D, on va utiliser des doubles. Des doubles. Ouais. Allez, j'ai 50% de chance de faire plus qu'un 5. Allez, on y va. Non! Ok, un 10, un 10. Non! Non, non, non. Et maintenant, l'autre. Mario, il va voler mon champignon vénéneux. J'aurais dû utiliser mon champignon vénéneux. Il va le voler pour aller acheter l'étoile. Quelle chance. Oh. Allez. Attends. Donne-moi quelque chose que Mario voudrait avoir. Qu'est-ce que je vais faire avec deux clés? C'est pas comme si j'ai deux maisons. J'ai juste besoin d'une clé. Honnêtement, je sais même pas quoi faire avec ça. Voiture ballon. Oh. Comment j'ai pu foirer mon coup? Même si j'avais utilisé champignon vénéneux, j'aurais foiré mon coup. Mais bon. Ah ben oui, il faut foncer sur les autres comme ça. Oui, je me rappelle de ceci. Alright, on y va les amis. Prades? Voilà. Voilà. Hé hey! Donnez-moi mes 10 pièces, les amis. Je le mérite, non? Ok. Je vais pas les laisser. Je vais rester dans mon coin, regardez ça. C'est parti. Ah! Ah, je peux pas aller dans mon coin. Brother! Non! Non! Stop! Regarde! Ils sont deux contre moi et Wario qui ne bouge pas! Voilà! Tranquille! Oh non 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 non! Brother! Oh, je me suis bien retourné! Oh! Come on! Yeah! Non, c'était ma chance de l'avoir! Elle a presque foncé dans mon pic-pic! Je crois que les gens vont nous traiter de cheaters parce qu'à la fin, c'est toujours moi et Daisy qu'on gagne. Mais Daisy voulait me tuer. Ouais, ils ont la preuve que Daisy voulait me tuer. Oh mon Dieu, Jésus. C'était dur de contrôler le véhicule. C'est pas aussi simple que ça, pour ceux qui se le demandent. DOS. Tres, ok, ok, il a fait Tres. Oh, la clé! Je vois où je peux l'utiliser! Mais à quoi ça sert de l'utiliser là? Oh, tellement chanceux! Oh! Mais c'est... Non, non, c'est pas une bonne chose! Si Mario décide de voler son item... Attends, est-ce qu'il peut décider voler l'item de qui? Ou c'est totalement random? Peut-être que ça vole mon item, peut-être que ça vole celui de Wario, mais c'est totalement aléatoire, vous voyez ce que je veux dire? Ok, mais si... Mario a la possibilité de choisir qui il veut voler de... Ben, à qui il veut voler? Eh ben Mario, il va gagner une étoile gratos. Parce que 10 sur mesure, écoutez, tu peux choisir un 10. Allez, pogne un item, pogne un item, pogne un item. Pogne le passe-partout. Passe-partout, passe-partout, please. Yes! Yes! Ok, ok, c'est une bonne chose. Pourquoi? Parce que si Mario utilise son item et que c'est totalement random, il a la chance d'avoir 3 passe-partout sur 5. Alors, sur 6, ouais, sur 5, pardon. Parce que toi, il y a 5 items. Donc, voyons voir s'il a 60% de chance d'avoir un passe-partout. Est-ce qu'il va utiliser son objet? Hein? What? Mais pourquoi il veut pas utiliser... Oh! Les amis! De toute façon, je viens de remarquer quelque chose. S'il décide de voler un item, c'est pas comme s'il peut l'utiliser tout de suite. Il faut qu'il l'utilise dans l'autre tour. Oh my god! Ah, mais c'est la fin pour toi, mon frère. Écoutez, je peux pas former mon coup quoi qu'il arrive. J'ai un plus 5 ici. Et même si je fais un 1, eh ben j'arrive à destination. Regardez ça. Watch out! Ok, j'avais pas besoin d'utiliser ça là, mais bon. Pas grave, pas grave. J'ai poussé mon pire ennemi pour aller voir ma petite Toadette et voler une étoile. Ok, je l'ai peigné là, je suis pas un voleur. Mais bon, let's go. Je suis en première position là. Hey Daisy, je prends ta place. Bravo, oh oh, comment on dit merci? What? La prochaine étoile sera... Comment je dis merci? Bien joué, ah merci, voilà, voilà, voilà.
C'est drôle parce que moi, je vois ça merci, mais les autres voient ça thank you, je pense. Parce que mon jeu est en français, mais leur jeu est sûrement en anglais. Alors, bon, whatever. Wario est tellement chanceux. Oh! Oh! Wario est pas chanceux du tout parce que je passe dessus! C'est comme, Wario est tellement chanceux de faire... Non! Non, 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 non. Ok, on laisse le portail fermé. Yes! Soulagement? Mais bon, ok, mais c'est une bonne chose! Attends, tu es vraiment une superstar, oui! C'est vraiment une bonne chose qu'ils utilisent champignons vénéneux et que j'ai eu un 7! Ah! Yes! 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 Double hit, les amis! Wario est comme quoi, quoi, quoi? Parce qu'il était juste à côté! Ouais! Ouais! Le premier temps, il sera à vous! J'ai pas de cash! Va où ce que tu veux! Ok, alright! Wario est vraiment fâché, regardez ça! Mais plutôt triste, peut-être? En plus, je l'ai poussé! On va aller là, comme ça on peut utiliser. Comment ça s'appelle? Le passe-partout! Et si Wario passe à travers le milieu, eh bien, pauvre Mario, il va se faire avoir par le Kamehameha! Et... En plus, Wario est le premier à utiliser son dé dans le prochain tour! Pauvre Mario! Et il voit le Kamehameha venir de loin. Ah, ce jeu! Oui, je m'en rappelle! Donc, il faut repérer Daisy à 3. Si on le fait pas à 3, cela ne marche pas. Ok, vous êtes prêts, les amis? Mettons toutes nos forces ensemble! Les hommes contre la princesse volant son argent! La royauté a trop de cash! Oh, 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 guys! À gauche? Hey, what? La pupille était à... What? Yes! Ok, non, je vais avoir le truc de batterie faible à longueur de journée. Demain, une seconde. Ok. J'ai branché ma manette pour qu'elle se charge. Mais il faut pas que je bouge beaucoup parce que si je bouge beaucoup, je bouge la Nintendo Switch. Et ma Nintendo Switch est raccordée à l'ordinateur. En gros, ça peut détruire le recording si je bouge trop. Faut que je me calme. Mais le pire, c'est que j'ai beaucoup de batterie. C'est comme, j'ai plus que 60% et puis ça dit que c'est batterie faible. Voyons donc. Bye bye, Mario! Est-ce qu'il perd beaucoup de cash? Énergie chargée à 300%. Super Mario de la ruine prêt. Ça ressemble plus au Gary Gun de Vegeta à cause de la couleur là. Ouais, c'est vrai. Wow! Même Wario est surpris, vous avez vu? Il a pris du temps avant de passer au prochain dialogue qui n'existe pas. Mais bon, il a pris du temps. Il était comme holy what? Zéro! Zéro! Yo! Est-ce que le Bowser vole tes étoiles aussi? Si tu le fais toucher? Moi, je ne vais plus jamais sur le terrain de Bowser. Jamais, jamais, jamais. Fini, fini, fini. Dommage. Ok, qu'est-ce qui se passe? Il te vole rien? Ah, il n'y a pas de conséquences négatives, à part que t'as pas d'item. Ok, ok, alright. Non mais pauvre... Yo, même moi je me sens mal pour Mario. Regardez, imaginez que vous êtes dans la peau de Mario. Vous voyez Wario avec 71 pièces, Daisy avec 55 pièces et une étoile, Waluigi avec 3 étoiles 25 pièces, vous êtes comme... C'est impossible de gagner en plus qu'on est au 9e tour. Ah, il dit bravo, il a pas l'air désespéré, oubliez ce que j'ai dit. Je vous avais dit la royauté là, tellement riche. C'est l'heure d'aller voler l'argent de Daisy. Comment tu peux être aussi content? Vous avez vu, Mario? Mario time! Je serai à terre en ce moment! On peut même pas lui donner un seul sou! Oh mon Dieu, Jésus! Allez! Ok, alors ça lague un petit peu. Non! Oh, Mario a déconnecté! C'est pour ça que ça lague un peu. Regardez en haut à gauche, on voit Coolman. En haut à droite, Rip Predo. Et en bas à gauche, Mario. Mario, rage quit, les amis! Ouais, si je te lis,
ça va être la même chose. Je suis vraiment bien amusé avec toi, l'odeur de tes poches va me manquer. What? Come on, bro. Ok, let's go, on y va. 15 objets. Give me something good. Mario, là, il voulait pas subir plus de... Oh, oh, attendez une seconde. C'est parti. Je vais essayer d'avoir le triple D. Ouais, il veut pas subir plus de malheur. Attendez. Je crois que... C'est ici, le bon. Yeah! Tout à l'heure, j'avais de l'expérience, alors je savais que j'allais réussir mon coup. Bien joué. Merci beaucoup, merci beaucoup. Pauvre Mario. Bon. Alors, ça veut dire que Coolman et Rip Predo, ils sont comme... On a encore une chance de gagner, on va rester là. C'est ce qu'on va voir. Pourquoi? Pourquoi tout le monde est rouge, bro? Serre libre extrême, ok. Je sais pas ce quoi là, mais bon. Oh oui, je m'en rappelle. Oui, faut pas te faire avoir. Alrighty boy. Il y a comme trois phases, je pense. Ok, tranquille. Je vais me faire écraser. Voilà. Ok, il y en a peut-être quatre. Ceux qui n'ont pas ready, c'est Daisy et Mario. Je sais pas pourquoi Daisy veut pas ready. Ne me dis pas qu'elle veut quitter. Ok, on doit faire ça à longueur de journée. Ok, c'est pas seulement trois pages. Ok, c'est le compteur qui est ready pour eux. Peut-être que Daisy y allait manger ou quelque chose, hein, on sait jamais. C'est parti. Étoile. Lune. Attends, étoile. Ok, voilà. Oh ouais, Daisy, vous avez vu, elle n'a pas bougé. Sa mère l'a sûrement appelé pour aller manger son petit casse-croûte. Étoile? Je crois qu'on doit faire ça jusqu'à la fin, hein? En haut à gauche, je vois un compteur. C'est écrit 5. Je crois que je dois pousser Mario ou quelque chose, man. En bas? Je sais tout et je vois tout. Hey, je fais juste aller de haut en bas, hein, que j'entends en diagonale. Wario s'est fait avoir, bro. Oh, ça commence à être dur, là. Mario veut pousser. Pourquoi Mario veut suivre toujours? Terminé. Alright. Voilà, il savait pas quoi faire. Bon, écoutez, Mario, c'est un CPU. Un ordinateur, alors, ouais. Bon, alors. J'espère que personne a quitté, hein. Ok, personne a quitté. Nice. Merci. Je dis merci, mais il y a personne qui m'a félicité ou quoi que ce soit, mais bon. Wario time. Ok, let's go. Objet? Je sais pas pourquoi tu veux utiliser ceci, mon frère. Il utilise l'objet avant même de regarder le plateau? Ça veut dire que tu sais même pas pourquoi tu utilises cet objet? Oh mon dieu, les photos, what the hell, bro? Genre, si t'avais regardé le plateau et ensuite t'avais utilisé l'objet, là j'aurais compris que tu veux atteindre une case spécifique. Mais là, bon, il veut peut-être aller sur une case item ou quelque chose, mais je trouve ça pas trop wow là. T'as utilisé un super dé pour aucune raison, mon frère. 5? Qu'est-ce qu'il y a, 5? 15 chances? Revenez au même endroit. Alright. Je vais pas juger ce qu'il fait, mais j'ai juste pas vu le but de faire ça. C'est comme si t'as remplacé ton super D par un double D. Mais un D doux. I don't know, bro. Je vois juste pas la logique, des amis. Daisy! Numéro 4. Ouf. Si tu vas au milieu là. Oh non, c'est correct. Il y a encore 4 tours. 4 tours au milieu avant que Bowser utilise son attaque ultime. Ah, c'est super rapide. J'ai l'impression que c'est un computer pour vrai. Ouh. Pas le temps de niaiser. Peut-être que Wario veut juste aller au milieu pour activer l'attaque de Bowser à longueur de journée. Peut-être qu'il fait un Bowser Challenge. Je sais pas, mais. Ouvre un portail, ne pas l'utiliser qu'à côté d'un portail. Yes! Ok, qu'est-ce qui se passe si je fais 1 ou 2? Je reviens en arrière? 4!
pas du tout ce que je voulais. DS? Non! Non, 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 non! Mario a pas de cash, les amis! Vous gagnez des pièces en fonction de votre classement. Pour commencer, Wario dirait 130 pièces. Oui, merci. Wario et Daisy ont beaucoup de pièces, mais... Et Mario a rien, genre. Ok, on va perdre notre temps juste pour parier cette pièce. D'accord, je suis vraiment désolé, les amis. Voyons quel mini-jeu sera sélectionné. Mascache a dit. Il a dit quoi, Mascache? Il peut parler, ce mec-là? Oh! Ceci, ok, alright. Hey! Ok, je sais que c'est juste une démo, mais je me suis quand même fait avoir. Daisy? Je sais pas pourquoi, mais Daisy veut jamais ready up. Comme, elle prend tout son sweet time. Peut-être qu'elle est en train de manger. Elle a peut-être quelque chose entre sa main gauche ou droite, là. Elle fait... Voyez? Je sais pas, mais bon. Allez! C'est parti! Je vais pas me faire avoir. Oh! Oh mon Dieu, j'ai eu une chance! Ok. Ah! Daisy s'est fait avoir! T'as pas vu le skip, mon ami? Oh, Wario est trop bon! C'est tellement fun de voir les mini-jeux en HD, je vais toujours me rappeler ces mini-jeux. En version non HD. Je vais tout... Je savais qu'il pouvait skip. Je le savais. Mais je suis quand même fait avoir. Vous n'êtes pas sérieux, les amis. Bon ben... Écoutez, on a enrichi les riches et les pauvres sont devenus plus pauvres. Comme dans la vraie vie, n'est-ce pas? Saut tournoyant. Ok, on va devenir malade et on va vomir partout parce que si tu sautes en tournant, là, c'est fini. Donc, c'est quoi? A, B, Y, X dans ce temps tourné. Faites plus de tours que vos adversaires sur votre planche à neige. Ok. Attends. Oh, je vois! Il faut appuyer sur comme tous les boutons en cercle. Ok. Attends. Comment je peux faire ça rapidement? Ah! J'ai un moyen de faire ça rapidement! J'utilise mes deux doigts! C'est parti! Ok, c'est Mario en premier, moi je suis en dernier. Je vais débrancher mon relais. Ok, maintenant je peux le faire, regarder. Je vais faire ça comme ça. Tada! Tada! Vous voyez? 2430 degrés! Oh, peut-être que je devrais faire ça comme ça? Non, 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 non! Yo Mario, j'ai hâte de voir qu'est-ce que Campioneur peut faire! Ça a skippé, bro! Ok. Are you ready, bro? Oh! J'aurais pu en faire plus, mais on m'a arrêté, les amis! Yeah! Je vous avais dit, j'allais l'avoir, bro! Merci, merci! Merci! Merci pour ces 10 pièces! 20 pièces! Il y en a qui ont reçu 3 et 5 pièces, mais 20 pièces! Moi, je dis pas non, hein! Il ne reste que 5 tours! Waluigi est en tête! En deuxième place, nous avons Daisy! Wario est en troisième place! Et en quatrième place, Mario! Bon, les rangs sont serrés, mais qui va gagner, demandons! Cette fois, écoutons! C'est qui est sur le point de gagner? Daisy maîtrise les mini-jeux! J'en ai pas gagné plus que toi. Je sais qu'on a gagné souvent ensemble, mais il me semble que j'ai gagné plus que toi. Ok, alright. Ils sont en train de dire que Daisy va gagner quand j'ai 3 étoiles. J'avoue qu'elle a beaucoup de pièces, mais c'est parce que c'est une royauté. Mais en fait, elle a plus de pièces que Wario parce qu'elle a volé les 20 pièces qui m'étaient dues. Oui.
je comprends, tu as imposé des taxes, des impôts, et j'ai dû te payer. C'est pour ça que c'est pas moi qui suis venu ici prendre les 20 piastres, c'est toi qui as pris ça. Oh, les maudits, les riches, ils font ce qu'ils veulent, man. Alright. Et puis, Wario, il en fait partie de son petit carré. Ouais, on dort. C'est quoi ce bout? Dis-moi pas, tu peux voler une étoile avec ça. Ça fait peur, ça fait peur. Je suis en train d'observer le tonneau avec le bout. Non, prends pas le truc le plus proche de toi. Yes, 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 yes. Ok. Bien joué. Peut-être que la cloche de Boo n'est rien du tout. Mais c'est impossible parce que Boo est un voleur alors. Alright. Daisy! Daisy! Neuf! Tu te rapproches de l'étoile, mon frère. Oh my god! Faut pas aller au milieu, hein? Le bonhomme veut pas aller en haut parce qu'il y a une case rouge. Il est en train de checker la map. Va à gauche! À gauche! Oh, à droite? Ok, alright! Le prochain à y aller, c'est sûrement moi. Oh non, ça va être Daisy, qu'est-ce que je dis là? Si elle ouvre pas la porte, c'est... Ok, ok, c'est moi. Je suis le prochain. Quinze objets. J'espère qu'elle va rien recevoir de fou, hein? C'est parti! Terminé! Bien joué! Bien joué! Ok, Mario! J'entends comme quelque chose, comme s'il y a une étoile à côté. Vous avez entendu ça? Parce que l'étoile est à côté. J'ai complètement oublié où l'étoile se retrouve. Et on dirait que c'est totalement random. Ok, le vol est totalement random parce que normalement tu l'aurais volé à Waluigi parce qu'il est en première position, non? Non? Crash le cash, bro! Il y a tellement rien et en plus on est en train d'extorquer 5 pièces! C'est pas 3 pièces, c'est 5 pièces! J'ai vraiment mal au cœur pour Mario en ce moment. Même si c'est un ordinateur, j'ai mal. Ok, clé d'un portail. Time for the Waluigi! Donc il faut juste 6. C'est quoi? Je prends pas de chance. Des triples! Et peut-être que je peux faire un 30. Et si je fais un 30, je peux avoir 2 étoiles! 30, pas 3! Une chance que j'ai utilisé ça alors parce que Daisy est juste en arrière de moi. Et en plus, elle a lâché un pignon vénéneux. Elle aurait pu avoir l'étoile si j'avais pas utilisé ceci. On dirait qu'elle a pas tous les masques clash et en intervention. Honnêtement, je sais même pas à quoi il sert. Il est en intervention, mais il fait rien. Oh, encore Waluigi, mais qui prend tes dernières têtes? On dirait qu'elle a marre, elle en a marre de moi, genre comme chaque client fidèle, mais elle veut plus me voir. Elle veut partager les étoiles avec la communauté, les autres. Et là, c'est pour ça qu'elle arrête pas de déménager son magasin. Elle en a marre de moi. Mais moi, je suis un bon tracker. La prochaine étoile sera... Wario est drôle. Oh! Oh! Mais c'est sur le chemin! Est-ce que je peux y aller avant de me faire avoir par Bowser? Attendez, il reste combien? Est-ce que je peux y aller? J'espère que je vais pas me faire avoir par Bowser! Ok, yo, prends mes 5 pièces, vas-y, vas-y! Mais... Allez, 7, il me reste... Oh! Juste assez pour m'enfuir! Parce que Mario, là, s'il fait plus que 3 ou 4, c'est la fin pour moi! Oh. Oh, la chance! La chance! Ok, attendez. J'ai beaucoup d'expérience avec ça. Il faut faire ça ici. Regardez ça. Exactement ici! Terminé! Bien joué! Merci. Merci beaucoup. Des creeps! Yeah! Mini-jeu! Mini-jeu, ok, alright!
Mon boule de neige. Oh, je me suis fait détruire la dernière fois que j'ai joué à ça, alors. Allez, on y va. Allez, tranquille. Oh, 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 tu voulais m'avoir, bro? Complètement faire un coup. Allez, Wario! C'est Wario qui fait pas start. Quand il est en train de jouer, je crois qu'il est en train de s'entraîner. Ok, maintenant tu dois faire start. Depuis qu'il s'est fait tuer, vous savez quoi? Wario, là, c'est la personne que je vais essayer de tuer, man. C'est parti! Allez, let's go. Je viens accumuler. Oui, accumuler la bouboule. Oh, vous êtes dead! Mario! Mario, pourquoi tu l'as... Oh non, non, non. Les amis, attendez, moi je vais au milieu. Eh, hey, c'est vous qui... J'ai pensé sur ça, oui, oui, mais... Fallait que... Oh non, 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 non. Tranquille, tranquille, j'ai fait une méga... Méga bouboule, bro! Moi je m'en vais au milieu. Tu ne vas pas m'avoir, mon ami. Attends. Oh mon dieu! Oh mon dieu! Oh! Attends, je peux faire des trucs comme ça, en fait. Ok, nice, nice, nice. Non! Oh oh. Mais qu'est-ce que ça fait, Daisy? Non! Non! Oh, je devais m'enfuir! Je devais m'enfuir dans la boule de Mario! Ok, yo, je ne peux pas me faire avoir comme ça! Come on! Oh! Oh boy! Pauvre Wario! J'ai utilisé ma bouboule magique pour l'envoyer à terre, man! Oh boy! En plus, c'est mon meilleur ami! Pas de changement en première place. Tant il y a aussi longtemps que les gens ne volent pas mon étoile. En fait, mes étoiles, moi je suis Tigilou. Reste encore 4 tours. Wario time. Wario time. Oh non, non, non. Je crois que... Ok. Dans ma tête, j'étais comme... Ok. Il est en train de réfléchir. Faut-il quitter ou pas? Parce qu'il n'y a pas d'objet, rien du tout. Tout ce qu'il peut faire, c'est lancer des dés. Alors pourquoi perdre son temps, vous hein, voyez? Vaisseau spatial hors de contrôle. Peut-être que... Ouais, peut-être que Toadette va déménager à côté de lui. Il avait fait à m'abandonner pour Daisy. Pourquoi tu utilises ton étoile? Je veux dire ton champignon. Si t'avais pas utilisé ton champignon, t'aurais pu aller sur la case bleue. Et j'aurais pu voir qu'est-ce qui se passe. Va à gauche, va chercher un item. Voilà, perfecto, case objet. Qu'est-ce que tu vas avoir? C'est parti! Oh! Oh mon dieu! Rien du tout! Oh! Oh, je suis désolé, je suis désolé, je suis désolé. Une chance, vous avez vu? J'aurais pu être pauvre! Si je m'étais pas touché par ceci, j'aurais pas payé mon loyer aujourd'hui, vous voyez, genre. Comme. Oh, mes 40 pièces, bye bye. Voilà. Ok. Tiguidou. Je peux avoir une cinquième étoile. Ok, il va l'ouvrir. Désolé. Je suis pas désolé. Je sais pas pourquoi j'ai dit désolé, mais bon. Quel jeu de chance! Oh, c'est un jeu de chance! Ok. Oh non, non, non! Il me semble qu'il y a... Non, 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 non. Je peux échanger mes étoiles. Je me rappelle de quelque chose comme ça. On peut échanger toutes les étoiles. Comme moi, je donne 4 à quelqu'un. Attends, attends, attends. Il n'y a pas d'étoile là, j'espère. Non! Ok, il y a une étoile. On échange notre argent. Un ou deux. Un ou deux. Un ou deux. Un ou deux. C'est maintenant que tu me donnes 9! T'aurais pas pu faire en sorte que j'échange mon cash avec Daisy ou Wario? Bienvenue à la boutique d'objets, je peux quasiment rien acheter! Nous avons mis notre inventaire à jour, j'ai Daisy, donc un coup d'un oeil, mec. Théodore. Théodore.
C'est fini la boule. C'est quoi? Personne aura d'étoile. Hé! Hey, non! Là, je vais te demander de le déplacer. Quand j'ai assez de cash là, je vais te demander à le déplacer. C'est tout ce que je peux faire. Ok. Oh, tu n'as pas 5 pièces? Je suis pauvre, les amis, voyons donc. Yes! Yeah! Donnez-moi votre cash, les amis! On va parier 100 pièces. Let's go! Allez! Maximum de pièces, on y va. All in! Allez, pour commencer, Waluigi reçoit 3 pièces. Ok, thank you. L'heure est venue de All In. Toujours mieux que rien. On va pas se le mentir. 67 pièces. Si je gagne, il y a aussi longtemps que j'ai plus que 7 pièces, moi je suis content. Tire au boulouf. Et j'achète s'il plaît au boulouf. Tire au boulouf. C'est un signe, les amis. Oh non, 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 pas ça. Pas ça. Oh my god. Il faut se retourner à la dernière seconde. Et ouais, je suis pas bon dans ce genre de jeu vidéo. Ok. C'est toujours Daisy ou Wario qui ne fait pas start. Je comprends pas. Des fois c'est Wario, des fois c'est Daisy. Mais c'est toujours l'un des deux. Come on, les amis. Daisy, appuie sur start. Ok, voilà, voilà, voilà. Je crois que crier comme ça, ça a eu de l'effet. À la dernière seconde, les amis. Oh, je peux le faire maintenant. Les autres ont fait trop tôt. Oh non, mais Daisy... Je vais vous dire quelque chose. Mes yeux de chinois vénéneux étaient concentrés en bas à droite. Oh, j'ai 13 pièces! Ok, je suis content. Ouais, c'était concentré en bas à droite. J'ai entendu les autres utiliser leur lampe torche. Alors, je suis comme, mais ils ont fait ça trop tôt. Mais les boulots bougent de façon différente pour chaque personne. J'ai pas remarqué ça, alors... C'est pour ça que j'ai appuyé trop tôt. Sinon, j'aurais attendu encore un peu. Sable mouvant. Rat-barré. Ok. Rat-barré. Oh, ok. Il faut juste éviter de se faire avoir. Ok. Wario, t'es capable. Wario? Ok. Let's go. Ok. C'était assez rapide, ça. C'est parti. Je me rappelle de ce mini-jeu. Tranquille. Je suis en train de timer mon saut avec... Oh! 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 Ah ah ah! Daisy! Veux-tu un rendez-vous amoureux avec moi? T'as abandonné? Tu ne mourras pas! Tu ne mourras pas! J'ai des fleurs pour toi, ma belle! Elle veut pas que les fleurs. Mais bon, ok. Je vais utiliser mon sifflet de boulouf. Et je vais espérer que Toadette se retrouve à côté de moi. Parce que, si je me rappelle bien, elle peut se mettre à 2 cases de moi. N'est-ce pas? Reste 3 tours. C'est vraiment dommage que Mario ait quitté. Mais je le comprends, je le comprends. Ça aurait été cool si on pouvait continuer à jouer à 4. Compris, personne ne m'échappera. Honnêtement, je sais même pas à quoi ça sert. Je crois qu'il a gaspillé son cash juste pour le plaisir, là, mais bon. Oh! Est-ce que c'est lorsqu'on va sur les cases, point d'exclamation? Vous savez, là, les fusées qui nous chassent, là? Alors, les masques crash vont nous défendre contre ces bonhommes? Est-ce que c'est ça? Je sais pas. Je sais vraiment pas. Deux. Yes. Mario time. Et quand j'y pense, personne ne va arriver à l'étoile, hein? Peut-être que je devrais pas le déplacer. Parce que je suis en première position avec 4 étoiles. Deuxième position, c'est Daisy, 1 étoile. Si je déplace pas l'étoile, personne pourra l'acheter prochainement. Peut-être Mario pourra l'acheter. Mais tout le monde est loin de l'étoile. Vous voyez ce que je veux dire? Mais bon, ah, ok, vous savez quoi? On va offrir plus de compétition. Honnêtement, c'est pas le bon moment d'utiliser ceci. Mais plus de compétition, c'est toujours bon pour la santé.
Si je peux pas venir te voir et acheter l'étoile, tu vas venir vers moi! Wouah! L'étoile s'est envolée vers une autre destination! Vous avez vu la face de Toad, il était tellement content! Ok! Alright! Si je fais plus que 10, ça devrait être Tigidou, n'est-ce pas? 22! 22! Ok! Vous savez quoi? On peut tester notre théorie de tout à l'heure. On va nous chasser, mais peut-être qu'on va pas nous chasser. Quoi? What the hell? Wario était sur le point d'aller acheter le truc, il me semble. Non? Il aurait pu y aller. C'est pour ça qu'il est comme quoi, what the... Oh mon dieu. Ok, c'est déplacé. Grand saut. Prends son temps. Ok. Voilà, ok. En tournant sur nos ennemis. Ah, oh my god, je suis tombé. Ok, c'est bon. Je sais comment jouer à ça là. Wow. Yo, bah, vous avez vu, Wario, il a sauté quand même super haut, hein. Ouh, allez, on y va. C'est parti. Oh! Ne me tuez pas! Je suis innocent! Je vais faire tomber Mario parce que c'est un NPC. Attendez. Oh! Oh! J'ai cru que j'étais la personne qui allait tomber. Allez, dis victoire. Eh, hey, acceptez ma rose. Est-ce que vous voulez ma rose? Non? Ok, alright. Merci pour cette victoire royale. Il reste 2 tours. Je crois pas qu'en 2 tours on peut changer quoi que ce soit, les amis. Ah, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux utiliser ton objet? Why? Ok, parce qu'il reste 2 tours. Hey, attendez, je viens de remarquer ça. Lorsqu'il regarde la map, c'est vraiment la map de ce tableau. Je croyais que c'était une map générique, mais en fait, c'est vraiment ça. Ok, alright. C'est bon à savoir. Neuf. Pourquoi 9? Quelle chance! Oh! Intelligent. Est-ce qu'il va acheter le tuyau? S'il achète le tuyau, là, c'est sa seule chance de gagner. T'as tellement de cash que... Bro, je sais même pas pourquoi tu réfléchis, mon ami. Quoi? Tu crois vraiment que tu vas avoir un tuyau ici? T'auras pas de tuyau ici, mon frère. What? Ok, il fait ce qu'il veut. D'accord. 7. Ah, c'est Daisy qui va avoir l'étoile. J'espère que Daisy va pas gagner. Aïe, aïe, aïe. Oubliez pas, il y a des bonus à la fin. Comme quand tout est terminé, il y a des bonus comme... Je sais pas si c'est aléatoire. Mais je me rappelle, dans les anciens jeux de Mario Party, parfois c'est... Oh, qui a le plus de pièces? Pogner une étoile gratos. Oh, qui va dans le plus de cases vertes? Pogner une étoile. Des trucs comme ça. Alors ça fait un petit peu peur. Ici, l'étoile vous attend à cet endroit, qui est complètement à l'autre bout du monde, comme de moi, voyez, comme... Je peux pas l'avoir, c'est impossible. Ok, vous savez ce que je dois faire? Je dois faire un 30. Ou assez de cases juste pour aller acheter un tuyau doré. Et ensuite, il faut que je joue un mini-jeu où je peux gagner 20 pièces. C'est un miracle. C'est un miracle qui doit se passer. Parce que même si j'achète le tuyau doré, à la fin, j'ai pas assez de cash, vous voyez, genre... Alors, attendez, on va voir ça. Objet. Je vais utiliser ceci. Le tuyau doré coûte 25 pièces. So, si j'achète ça, il va me rester 8. Il faut que je tombe sur une case bleue. Et ensuite, je gagne un mini-jeu. Ok, c'est bon. 19.
Ok? Yo, est-ce que t'as encore ton Théodoré personnage, chez frère? Yeah! Théodore, pardon. Pas Théodoré, Théodore. J'ai même pas regardé si je tombe sur une case rouge, là, mais bon. Qui ne tente rien à rien dans la vie, n'est-ce pas? Non! 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 J'appuie sur A non-stop! J'appuie sur A non-stop! Attends, on va voir quelque chose. Si je vais en bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, je peux aller sur une... Je suis obligé d'aller en bas. Parce que sinon, je tombe sur une case... point d'exclamation. Oh my god, les amis! Les amis! Si j'avais pas utilisé mes pieds... Boum! Oh, attends! Gage! Attends, je peux voler une étoile ou des pièces pour toi? Oui! Vole des pièces, vole des pièces. À Daisy, je ne peux pas laisser Daisy gagner! Yes! Allez, appuie rapidement sur A pour le chasser. Donne-moi ton cash, bro! Allez, c'est ça, bouh, laisse-la! Yes! 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 Oh, quel coup de chance! Une chance que j'avais! Cette clé! En tout, j'en avais deux. Oh, non, non, non. Dieu est en train de me sourire en ce moment même. Ok, je vais n'importe où, ça change rien. Waouh! Merci. J'ai même pas besoin de me forcer à gagner ce mini-jeu. C'est la fin pour vous, les amis. Pas par là. Je vais jouer les yeux fermés. Mais c'est quoi le jeu? Laissez-moi voir ça. Joueur en solo, choisis une direction dans laquelle regarder. Quand la musique s'arrête, joue en trio, regardez ailleurs. Ok, ça va quoi? Je vais faire ça. C'est comme si je jouais les yeux fermés. C'est parti. Voyez comme... Je suis le premier à me faire éliminer. Attendez, est-ce que je peux jouer encore? Ah, je peux jouer encore! C'est tellement drôle ce jeu. Ok, je peux jouer mais ça sert à rien. Bon, regardez, je vais regarder à gauche. Voilà. Bravo Wario, bravo. Grâce à toi on a gagné mon frère. Merci beaucoup. J'aurais pu jouer les yeux fermés. J'ai même pas besoin de me forcer, Wario, là. Oui, il y a une grosse face comparée à moi, vous avez vu ça? Holy god, damn it! Mais bon, grâce à lui, j'ai eu 10 pièces gratos. Alright, c'est la fin pour eux, j'ai gagné 100% sûr, ou argent remis. Wario time! Vous ne pouvez rien faire qui va m'empêcher de gagner, bro. Honnêtement, je sais pas pourquoi il a pas acheté le tuyau. Peut-être que s'il avait acheté le tuyau, moi j'aurais pas pu l'acheter parce que c'est hors stock. Je sais pas si ça peut se faire là, mais vous voyez ce que je veux dire? Tu adores le cash, mais tu adores pas les étoiles, Wario? Clash le cash! Yeah! Vous avez vu le copain a préparé son petit confetti là? Sa bombe à confetti! Wow, tout ça pour un 1. Tu peux même pas aller dans le magasin. Et en tout cas, même si tu y vas, tu peux rien acheter, mon ami. Non! Non! Yes! Si c'était une étoile, j'aurais pleuré. Alors là, Daisy aurait pu avoir une chance de gagner. Alright. Oh, je vais toujours me rappeler quand Mario s'est fait avoir, man. Par j'allais dire Kamehameha de Bowser, mais c'est le Garigun de Vegeta. Ok, si je perds cette partie, il y a vraiment un gros problème, n'est-ce pas? Ça alors, tu as définitivement l'étoffe d'une super star. Oh, merci, 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 merci beaucoup. Yeah, très bien, cette étoile est à toi. Étoile obtenue! Merci! Merci beaucoup! Ah, t'es fâché, ma belle!
Faut pas être fâché contre les autres, les amis. Mario est juste à côté en plus. Ici, l'étoile vous attend à cet endroit. C'est le dernier tour. Personne peut jouer, personne peut bouger. Alors, ça sert à rien. Oh! Je vais voler du cash à... Non, non, je vais tout faire pour que Daisy ne gagne pas. Hein? Let's go! Je sais que Wario a le plus de cash, mais c'est Daisy qui est mon ennemi juré ici. Crash le cash, mon ami! Merci beaucoup! Ok, là, c'est ça à 100%. Rien ne peut se passer pour que Daisy gagne. Et là, on va faire un petit 1 contre 3 pour terminer la journée en beauté. Ouais? Bravo! Wario sait que j'ai déjà gagné. Et puis, il est content. Pourquoi? Parce que je suis son frère. Ouais! Rocher danger! Sais-tu le truc que je lance plein de rochers et tout le monde doit... Ah, ok, ouais, c'est ça. Personne va réussir son coup. Oh, en fait, vous savez quoi? Je devrais les laisser gagner. Je suis généreux. Je vais poser ma manette. Hein? Je suis très généreux. Vous allez gagner, les amis. Foncez! Daisy? Yo, Daisy, vous voulez pas gagner ou quoi? Ah, c'est à cause de Sarah, voyons donc. Ben ouais, comme ça, on termine la game plus rapidement parce que je sais déjà que c'est la fin. Je suis en train de faire un statement en ce moment. Je suis en train de dire, j'ai pas besoin de gagner ce mini-jeu pour pouvoir gagner la partie au complet. Vous voyez, c'est de l'arrogance pure et dure, mais bon. Ils peuvent pas vraiment dire ça parce que j'ai juste pas bougé, j'ai rien dit, j'ai rien fait. C'est terminé, tout le monde, blablabla, qui va remporter. Commençons par les bonus. Premier bonus. Bonus du lièvre. Ce bonus récompense le joueur qui a bougé le plus de cases. Est-ce que c'est ça? Yeah! Waluigi, the winner! Deuxième fois. Attends. Tortue? Le moins de cases. Ok, ça doit être Daisy, ça. Parce qu'elle a une grosse robe. Ah, oh, j'aurais dû penser à Wario aussi. Mais, ouais, les bonhommes jaunes, ça bouge pas rapidement, hein? En tout cas, je suis cette toile. Waluigi, t'as pas besoin de prier! Il se fait chasser, le petit Mario. Au revoir les plombiers et la princesse. Je sais pas pourquoi je suis en train de prier, honnêtement. Yes! Waluigi a gagné! Vous êtes la superstar! Je suis la superstar! Et cette fois-ci, j'ai gagné contre les gens du monde entier parce que la dernière fois, les gens ont quitté après au 13e, 14e tour. Je m'en rappelle plus là, mais bon. Mais cette fois-ci, il reste Rip, Fredo et Coolman. GG, les amis. GG, c'était super le fun. Wow, 700 claps. Le Rip, Fredo a fait 700 claps. En tout, je pense. Moi, j'en ai fait 200 en tout. Regardez Wario. Regardez Mario! C'est vraiment ce qui s'est passé! Mario, c'est... Oh mon Dieu! Ceci, ça montre vraiment ce qui s'est passé dans le jeu! Oh mon Dieu! Oh bon, 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 c'est tout simplement incroyable! Donc, j'ai terminé en première place avec 6 étoiles! Ok, je les ai écrasées! C'était super génial! Avec Waluigi, the winner! Ok, en tout cas, pour quitter, je veux voir combien de cas j'ai eu en tout. Wow! J'en ai une tonne! Et je passe de niveau 13, hein? J'ai pas utilisé de level up hack, hein? Pas du tout. Donc, des musiques motifs, tatati, tatata. Il y a plein de nouveaux trucs, ouais. Bon. Les potos, c'était super génial. Il prend la bonne, n'est-ce pas? Alors mes chers potos, ça va être tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez apprécié. Nous allons continuer notre aventure la prochaine fois. Alors aujourd'hui on a gagné contre les gens du monde entier, c'était super génial. Je suis vraiment désolé parce qu'à certaines reprises, j'ai crié comme un fou et j'ai sûrement détruit vos tympans. Je suis vraiment désolé, mais dans ce genre de jeu là, ouf, tout peut se passer. Et puis, il y a beaucoup de tension dans l'air, n'est-ce pas? Si vous voulez soutenir cette chaîne, vous pouvez laisser un petit pouce bleu qui pointe vers le ciel. Vous procurer l'un de ces t-shirts de fou grâce au site qui se trouve juste en bas de l'écran. Vous pouvez me suivre sur ces réseaux sociaux. Blablabla, thank you very much, on fait de support amigo. Et surtout, vous abonner à cette chaîne pour qu'on puisse se retrouver dans la prochaine vidéo. Bye bye!